La direction générale de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro invite régulièrement des personnalités pour débattre des sujets importants. Des sujets relatifs au développement économique, social et culturel de la Côte d'Ivoire. C'est un amphithéâtre à Chicomble qui a accueilli Abourahmane Cissé, ministre chargé du budget. Les enjeux du budget, de son élaboration à son exécution. C'est ce thème qui a été débattu par le ministre. Pendant 2 heures dans l'auge, Abourahmane Cissé a expliqué, dans les moindres détails, les éléments qui rentrent dans la confection d'un budget. Le ministre chargé du budget a informé l'assistance que le budget de la Côte d'Ivoire est constitué essentiellement des recettes des douanes et des impôts. Le ministre, qui ne croyait pas si bien dit, a donné la différence entre le budget et la trésorerie. Nous avons terminé par le budget 2015. Qu'est-ce qui est contenu dans le budget 2015? Quelles sont les dépenses qui sont prévues? Parce que le budget n'est juste que la traduction en chiffres de la politique du gouvernement en matière de développement économique et social. Les nombreuses préoccupations soulevées par les élèves et le corps enseignant ont marqué l'intérêt que les Ivoiriens accordent à la chose publique. Le directeur général de l'INPHB a salué la disponibilité du ministre, ancien polytechnicien. Pour l'année 2015, le budget de l'État de Côte d'Ivoire s'élève à plus de 5 000 milliards. Les 1/5 de ce budget sont consacrés à l'éducation.